Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monster Energy Supercross 6 pour le suivi de la carrière. Comme vous le savez, du coup, dans le dernier épisode, on a dû changer de sponsor, ce qui a fait qu'on a changé également de moto. On a dû la reprendre en main, c'était pas forcément facile. On a dû la prendre en main directement puisqu'on est parti directement sur une course en carrière avec les qualifications. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'on est arrivé premier. Du coup, ça fait qu'on est maintenant au classement du championnat, on est premier avec une légère avance de 9 points. Et du coup, il nous reste actuellement 4 courses, 5 courses même, pour du coup finir le championnat et voir si on arrive à avoir un podium, voire la première place à la fin de ce championnat. On va dès à présent partir sur la troisième fois sur Anaheim avec la sixième course de la carrière. Et c'est parti pour les qualifications. Un petit scrub pour commencer tout ça, pour se mettre en chauffe. J'ai jamais roulé sur ce terrain. Un triple, le deuxième triple, la tape derrière, et on arrive à passer les deux petites bosses. Une petite partie sableuse. Ici, il faut être beaucoup moins rapide sur le prochain tour. Ça se voyait en plus, hein, j'aurais pu faire attention. Là, potentiellement prendre plutôt l'extérieur pour réussir au triple. Directement à l'entrée. Ici, un gros triple qui passe facilement. Ici, il y a moyen de prendre aussi avec le triple. Sixième. Allez, c'est parti. On va essayer. Maintenant qu'on connaît un peu les différents sauts, on va essayer de les faire propres. Ici, on ralentit un petit peu. Voilà, le triple, le double. Le gros scrub. Ici, normalement. Non, c'est ici, le triple, le double. La table. Derrière le triple et le deuxième triple. Là normalement on est plutôt sur un bon temps. Cinquième. J'aurais pensé mieux mais. Quatrième.
les limites avec l'intérieur, le double, le triple. Oh non, c'est dommage. Je pense qu'on était parti sur quelque chose de correct. Allez, quatrième place en espérant la garder. Et non, on finit, si, si, avec Marchbank qui est en rouge. Ah bah, c'est parce que j'ai ma souris dessus. Et on est cinquième, on a perdu une petite place. C'est parti pour le hit. Alors le second hit, comme d'hab, on se met plutôt à l'extérieur pour avoir un peu d'action sur le départ. Ouais, ça vaut un départ parfait là quand même, non? Voilà, c'était un peu ambitieux le scrub ici. Ouais, si ça se prend bien, je pense que il peut être propre le triple avec l'intérieur. Mais c'est risqué quand même. Ouais, c'est un peu cher quand même.
Les deux derniers tours. Un peu court, je pense que j'irai lâcher les gaz. Ça c'est dommage. Premier pour ce hit, maintenant tout va jouer sur le main event. Allez, c'est parti pour la sixième course, le main event. Départ parfait. All shot très largement gagné. Ouais, bon, si je fais n'importe quoi aussi, forcément, ça peut pas marcher. Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Comment j'arrive à me retrouver de l'autre côté? Franchement. Allez, on se retrouve 11e. Ça changera. Ouais, ok. Ça changera un peu d'habitude. Il va falloir arrêter de tomber parce que sinon je vais avoir mon pilote qui va être complètement cassé. Sans parler du classement. Ouais, c'est n'importe quoi. Franchement, là, la physique. Allez, on va rattraper tout ça. Faut être propre déjà pour rattraper. On va chercher la table. Derrière, on est trop court. Yoshimoda juste devant.
Deuxième, Michael Moseyman juste devant nous. On va aller le chercher. Ah, il a fait la même erreur que moi au début. Intérieur, il se retrouve hors trajectoire. Évidemment, l'erreur, il est vraiment dur à prendre cet intérieur et pas finir trop serré. Sept secondes d'avance, on a réussi à bien se démarquer. Allez, c'est parti pour les deux derniers tours. Trop long le premier triple, ce qui fait que le deuxième triple n'est pas bon. Mauvaise gestion du poids du pilote, ça c'est de ma faute. Trop court pour les deux. Mais là, je suis tout droit, je me retrouve à l'extérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis en transmission automatique, du coup, je passe pas les vitesses manuellement. Je les trouve qu'elles sont vraiment tardives à être passées. On arrive, il y a quand même une demi seconde au rupteur alors qu'elles devraient être passées avant quoi. Ça serait quand même plus agréable. Et on finit quand même premier malgré cette course plutôt compliqué quand même, hein. C'était pas très propre de ma part. Au final du coup, on maintient la première place grâce à notre victoire, 134 points, ce qui nous fait maintenant 14 points d'avance sur le deuxième. Et bien voilà, du coup, il nous restera la course 7 pour la prochaine fois à Seattle. On va s'arrêter là pour cet épisode et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle course.